Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur Visual and Political Culture in Contemporary Algeria, la culture visuelle et politique dans l'Algérie contemporaine. Cette discussion fait partie du programme Penser l'Algérie à 60, image d'une révolution, une série d'événements qui a commencé il y a 2 semaines à Brown University et qui continue cette semaine à Columbia University à New York. Au centre du programme est une exposition de photographie de Mohamed Kwasi, un pionnier de la photographie et du photojournalisme en Algérie, qui a dirigé le service photographique de El Mojahed, l'organe officiel du FLN. Si vous souhaitez visiter l'exposition à la Maison française de Columbia, elle est ouverte jusqu'au 10 novembre et vous trouverez les heures d'ouverture sur le site web de la Maison française, ainsi que les détails des autres événements programmés dans cette série. Alors, depuis quelques jours déjà, nous nous penchons sur le rôle des images dans et après la révolution algérienne. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers l'image et la politique dans l'histoire plus récente de l'Algérie. Donc, notre table ronde sera suivie à 14h par un deuxième webinaire, cette fois-ci en anglais, sur la politique populaire et les mouvements de protestation en Algérie de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger sur la culture visuelle et la politique en Algérie avec un véritable dream team dans la matière. Je vais les présenter très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'ils ne le méritent, pour laisser le temps à leur parole. Le Dream Team était censé se composer de 4 personnes, mais malheureusement, Malika Rahal, qui était censée être avec nous, est malade. Elle a perdu sa voix et ne pourra donc pas intervenir. Mais avec nous sont Selma Helal, qui est la cofondatrice et co-directrice visionnaire des éditions Barzar, qui, dès 2000, a participé au renouveau du paysage de l'édition en Algérie. Barzar a publié, a réédité des œuvres littéraires et érudites, des beaux livres très importants en français et en arabe, dont un certain nombre de photolivres et dont au moins un livre qui réunit Selma Ammar Bourras et Malika Rahal. Il s'agit de Algérie 1990-1995, chronique photographique de Ammar Bourras, publié par Barzac et préfacé de Malika Rahal, et donc je crois qu'il sera sujet dans cette conversation. Ce qui me mène à notre deuxième intervenant, qui sera Ammar Bourras, artiste, plasticien, photojournaliste, dont l'œuvre a été exposée un peu partout dans le monde, en Algérie, à la Biennale de Sharjah, de Berlin, etc. À côté de ces projets photographiques, par exemple le livre que je viens d'évoquer, Ammar Bourras a beaucoup expérimenté avec les possibilités techniques et esthétiques de la photographie. Je pense par exemple à sa série d'ouvrages récents créés autour de la détonation de bombes nucléaires à Inakar dans le Sahara. Le troisième intervenant sera Mourad Krina, artiste, concepteur graphique, dont les œuvres ont aussi fait le tour du monde tout en restant très ancrées en Algérie. Mourad Krina est connu entre autres pour ses ouvrages détournant les photographies, les images médiatiques, les photographies qui font les unes et circulent dans les médias, qu'il a transformées en les colorant, en changeant leur format. Mourad Krina est aussi un acteur très important dans la scène culturelle algérienne. Il est l'un des artistes à l'origine du collectif Box 24 qui a organisé résidences, rencontres et expositions, dont l'exposition Picturie générale qui a connu plusieurs éditions et dont le catalogue a été publié chez Barzar, ce qui le réunit à Selma Halal. Très récemment, Mourad Krina a été l'un des commissaires de l'exposition Passerelle à la Villa des Oliviers à Alger.
Alors, bonjour à tous les quatre. Merci infiniment d'être là. Je dois peut-être préciser que je suis à New York et les intervenants et intervenantes sont en Algérie. Nous espérons que la connexion Internet restera stable de nos différents côtés, mais ce n'est pas du tout garanti. Donc, si quelqu'un est déconnecté, on prendra le temps d'attendre la reconnexion. Mais on va en tout cas tout de suite commencer. Le sujet de la culture visuelle et la politique en Algérie contemporaine est, il va sans dire, très très vaste. Nous avons demandé aux intervenants de l'aborder de leur propre point de vue et à partir de projets dans lesquels ils ont été impliqués. Donc chaque intervenant intervenante prendra la parole pendant quelques minutes. Puis nous aurons un temps d'échange parmi nous, suivant lequel nous passerons à vos questions et commentaires. Si vous avez une question ou vous voulez contribuer quelque chose à la discussion, vous pouvez l'écrire dans le Q&A que vous trouverez en bas de l'écran à droite. C'est sous le menu More. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant le webinaire. Et je lirai votre question ou votre commentaire le moment venu. Merci et je passe tout de suite la parole à Selma Helal. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Pour nous, c'est plutôt la fin de journée. Alors évidemment, commencer par les remerciements à Columbia University, à Madeleine Dobie, qui a déjà eu la gentillesse de m'inviter il y a quelques années pour parler littérature au cœur même de la maison française, et j'en garde un souvenir extrêmement gratifiant et stimulant. Je dis mon regret de ne pas avoir Malika Rahal parmi nous, en effet, parce que avec Malika, historienne, donc nous avons été il y a quelques jours à Batna pour célébrer le 1er novembre 54 avec son livre Algérie 1962, une histoire populaire. Et j'aurais tant aimé que cette historienne soit là aussi pour nous dire combien la photographie est un matériau qu'elle utilise dans sa recherche. Dieu sait si elle convoque ce matériau pour mener à bien sa recherche, et aussi parce qu'elle a été, donc, comme l'a dit Madeleine, la préfacière du livre de Amar Bourras dont nous parlerons tout à l'heure, et aussi parce qu'elle-même, je ne sais pas si vous le savez, mais parce qu'elle-même est une photographe émérite, et que j'ai pu la voir hier, avant-hier, avec son appareil photo argentique, tenez-vous bien, sur la poitrine. Je vais vous parler, donc, je vais vous dire d'où je parle. Je parle en tant qu'éditrice de littérature, et non pas d'éditrice spécialiste du livre photo. Littérature parce que, avec Sofiane Hadjadj, mon compagnon, nous sommes d'abord passionnés, c'est notre passion première, mais aussi parce que le livre photo, et je pense que Amar Bourras et Mourad Krina ne me contrediront pas, le livre photo, particulièrement en Algérie, est extrêmement compliqué à réaliser pour une multitude de raisons. D'abord parce que c'est très onéreux, mais aussi parce que nous avons certes des imprimeries performantes, mais qui en général négligent le côté fabrication et finition de l'ouvrage. Et quand on a des velléités d'imprimer l'ouvrage à l'étranger, eh bien, on bute alors sur les problèmes d'importation de ces ouvrages s'ils ont été imprimés en Italie ou en France. Donc, d'une manière générale, notre expérience à nous, Édition Balzar, du livre photo, est assez réduite. Mais très tôt, lorsque nous avons créé la maison d'édition en 2000, nous avons eu conscience du fait que, après, au sortir de la décennie, de ce qu'on appelle communément la décennie noire, les années 90, années de violence, années de guerre civile, de guerre intérieure, dirait la psychanalyste Karima Lazali, au sortir de cette décennie, eh bien, il y avait un trop-plein de besoins d'expression, comme souvent, hein, on peut faire le parallèle avec le Liban après la guerre civile,
Et en quelque sorte, nous nous sommes sentis requis, nous nous sommes sentis sommés de rendre compte des diverses formes d'expression et qui n'étaient pas simplement celles de la littérature, de la fiction. Et non seulement donc, nous nous sommes retrouvés à... Notre pratique principale, c'était de donner à entendre des voix de fiction. Eh bien, parfois, nous n'avons pas pu, dans des situations exceptionnelles, nous n'avons pas pu résister à l'impératif, en quelque sorte, de donner à voir. De donner à voir en nous lançant dans l'aventure de réaliser des livres. Alors, c'était dans des conditions, je le dis bien, exceptionnelles, c'est-à-dire quand on avait des subventions, lorsque une ONG avait comment dire, nous solliciter, nous approcher pour lancer des projets de ce type. Et donc, je pense en particulier à l'ONG italienne CISP, dirigée par une personne pour laquelle j'ai beaucoup de reconnaissance, qui s'appelait Evelyne Chevalier à l'époque, et qui nous a permis de nous lancer dans l'aventure avec deux ouvrages qui s'appellent « La nuit sur la figure » d'un photographe défunt aujourd'hui que Mourad et Hamar connaissaient, qui s'appelle Qais Jilali, un ouvrage magnifique consacré aux migrants subsahariens en Algérie, et un autre ouvrage réalisé par une photographe, Anaïs Pachabedzian, sur une région particulière d'Algérie qui avait été particulièrement affectée par le terrorisme et qui s'appelle « La fleur de silence ». J'en profite pour dire qu'avec ce livre, nous avons pu mesurer combien la question de l'image qui revient si tôt sur la décennie noire est problématique, et combien nous avons pu constater que les gens ne voulaient pas, n'étaient pas prêts, ne voulaient pas voir. Ce livre qui met en scène des portraits de familles meurtries dans leur chair par le terrorisme, et bien ce livre, les gens commençaient à l'ouvrir, et pourtant nous avions choisi une couverture assez peu explicite et très pudique. Eh bien, les gens, lorsqu'ils l'ouvraient, eh bien, le refermaient aussitôt parce que c'était trop dur de voir des visages de personnes aussi explicitement abîmées et affectées dans leur chair. J'insiste donc, je vais vous parler depuis ma pratique, et le plus simple pour moi et le plus concret pour moi a été de partir de trois livres, trois expériences. Alors, d'un premier, consacré à l'œuvre photographique de Mohamed Dib, intitulé « Tlemcen, les dieux de l'écriture », paru en 2021. Un deuxième, consacré aux photos de Raymond Depardon, accompagné d'un texte de Kamel Daoud, paru en 2022, et un troisième consacré aux photos de Amar Bourras, dont Madeleine a parlé, paru en 2018. Alors, j'inverse en fait l'ordre, je vais intervenir à rebours de l'ordre chronologique de parution. Je vais commencer par le livre de Mohamed Dib, et en fait, vous dire que dans ce livre, eh bien, on a une œuvre photographique témoignage absolument saisissante. Je resitue un peu le contexte. Ce sont des photos prises par Mohamed Dib à l'âge de 26 ans. Il est né en 1920. Il prend ses photos en 1946 par accident. Par accident, j'insiste, un ami à lui prête un Rolleiflex. Cet appareil qui, je crois, ressemble un peu au Hasselblad, en fait, où on prend la photo depuis le haut, comme ça. Il n'a que 26 ans et il capture des photos d'une modernité absolument saisissante du Tlemcen de l'époque. Le livre paraît avec des textes écrit bien plus tard, en 1994, et Mohamed Dib va revenir. En 1994, il écrit des textes où il se penche sur ces photos prises en 1946 et où il va expliquer en fait que toutes ces photos sont en quelque sorte un réservoir et une fabrique de souvenirs, et que toutes ces photos constituent en vérité les lieux emblématiques de son univers
d'écriture, car Dib sera essentiellement écrivain. On y retrouve les lieux qui ont inspiré l'œuvre Dib, le Médère, on y retrouve la source de loi, on y retrouve des portraits d'enfants, qui est un lieu cher à Mohamed Dib. Et ce qui frappe, c'est qu'il opère sur le mode du reporter, du témoin, et qui est en même temps partie prenante de l'action. Très souvent, on voit l'ombre portée du photographe, de Mohamed Dib, donc en l'occurrence, sur les personnes qu'il photographie. Il s'inscrit résolument dans une veine documentaire, et ce qui est absolument prodigieux, et à mon avis, alors à ma connaissance, nous n'avons pas d'autres photographies prises par un Algérien, alors à l'époque il n'était pas encore Algérien, mais prises par un indigène sur les siens, sur son propre peuple. Il révèle, en fait, au sens propre et au sens figuré, il révèle le peuple absent, les petites gens totalement absents de l'iconographie coloniale de l'époque. Les photos qu'on avait à l'époque, c'était des photos prises par les militaires ou des photos prises en studio par le colonisateur. Et on a donc, se déploie donc devant nous une matière documentaire proprement exceptionnelle, parce qu'aucun colon ne s'est penché, je pense, sur cette réalité-là. Et on voit là, donc, des petits vendeurs à la sauvette de pain, on voit des enfants manifestement d'agriculteurs dans des habits misérables, et on voit sur la troisième photo Clara va bien vouloir la mettre en scène, on voit des enfants qui reviennent de l'école. Alors on remarque aussi, vous remarquez l'ombre portée encore de Mohamed Dib sur le premier enfant, et la misère globalement dans laquelle vit le peuple algérien de l'époque. À chaque fois, je ferai un parallèle avec les images de Mohamed Kouassi que Madeleine a bien voulu nous permettre de consulter. Et j'ai été saisie aussi par les correspondances qui existent. Pourtant, nous ne sommes pas à la même période, nous sommes 20 ans après. Mais les correspondances entre les tenues des enfants. Hein, et sur les photos de Mohamed Kouassi, on voit ces enfants dans la frontière tunisienne qui sont à peu près dans les mêmes tenues, un peu pouilleuses comme ça, un peu, et où on mesure combien la population indigène était maintenue dans le dénuement. Voilà. Je tiens aussi à mentionner une citation d'un penseur marocain, Fahmi Ben Kiran, qui dit que ces photos sont aussi prodigieuses dans ce que Mohamed Dib a 26 ans, je le répète, 26 ans, aucune formation photographique, alors qu'on dirait qu'il est passé par le Bauhaus. Tami Ben Kiran, donc penseur marocain qui a réfléchi à ces photos, rappelle quand même le dispositif, et il dit ceci: avec cet appareil, la visée s'effectue à hauteur de poitrine, très favorable à une prise de vue à la fois discrète et moins agressive. Tête baissée sur le capuchon de visée, le photographe semble humblement faire la révérence au sujet photographié. Et il me semble que cette posture explique aussi en partie la grande humilité et la plus grande puissance de ces photos. Il est en fait à égalité avec les siens. Et ça, c'est aussi pourquoi ces photos ont une valeur documentaire et d'archives absolument inédite. Je passe au deuxième ouvrage réalisé donc avec Raymond Depardon et Kamel Daoud, Son œil dans ma main, qui est à l'origine, je tiens à le souligner parce que je pense qu'il est assez rare quand même qu'un éditeur du Sud, de la périphérie, soit à l'origine d'une exposition qui a été organisée donc à l'Institut Monde Arabe à Paris, et là, cette même exposition est désormais à Villeurbanne dans la région de Lyon. Petit rappel chronologique, Raymond Depardon avait pris des photos, jeune reporter, en 61, arrive en Algérie pour prendre des photos. 61, c'est la fin de la guerre, c'est l'OAS, il arrive à Alger, il prend ses photos absolument
incroyable d'un Alger où les populations indigènes et populations de colons, populations françaises se côtoient. Alors, vous voyez la première photo absolument incroyable. Populations de colons se côtoient sans même se regarder. Vous voyez cette femme en haïk qui incarne l'indigène par excellence et cette française, pieds noirs, qui peut-être patiemment lui tourne le dos, mais elles toutes deux attendent le bus, mais c'est quand même incroyable. Au mieux l'indifférence, au pire l'hostilité qui règne entre elles. Et c'est, voilà, il prend une série de photos de ce type, et puis bien des années après, il publie ses photos en poche aux éditions du Seuil. Et en 2019, Monsieur Depardon nous écrit à nous, éditeurs algériens de la périphérie, nous écrit à nous en nous disant qu'il souhaite faire un beau livre, réimprimer ses photos, rééditer ses photos avec des textes, un texte de Kamal Daoud. Et vous imaginez pour nous l'honneur, Raymond Depardon est quand même le plus grand photographe français contemporain vivant, en tout cas. Et évidemment, pour nous, cela nous semble une idée extraordinaire, un défi assez compliqué à relever, mais voilà, très, très stimulant. Et vient assez vite l'idée qu'il n'est pas question de s'arrêter à 61, à des photos qui avaient quand même déjà été publiées, même si elles étaient en petit format. Mais il s'agissait aussi de mettre en regard, parce que Kamal Daoud n'a pas connu la guerre, Kamal Daoud n'est pas du tout la même génération, et donc de mettre en regard avec l'Algérie contemporaine. D'où l'idée de faire venir Raymond Depardon, qui était déjà revenu en Algérie, et de lui proposer de capturer Alger et Oran en 2019. Chose qu'il a faite, et donc l'ouvrage réunit des photos de 61 et des photos de 2019. J'ai fait le choix là, de ne retenir que trois photos de 61 parce que elles disent très bien ce que Raymond Depardon a réussi à capter. Et là, voilà, peut-être Clara, si on peut revenir à la deuxième. Voilà, j'ai parlé de la première, j'aimerais évoquer cette deuxième qui est incroyable, que je trouve d'une puissance peut-être encore plus grande que les photos plus explicites de Raymond Depardon où il met en scène des drapeaux ou des graffitis OAS. Là, si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est visible, mais ce sont des affiches en fait de pieds noirs, enfin ce sont des annonces de vente, de garages, d'immeubles, de maisons, de propriétés, de cabanon, et en fait c'est et donc on voit que c'est une espèce d'opération massive de braderie des biens de pieds noirs, et je trouve que ça dit avec une puissance décuplée la tension de l'époque et ce moment d'entre-deux incroyable où l'OAS, ayant sévi de manière absolument aveugle, précipite le départ des pieds noirs. Et voilà. La troisième photo m'est particulièrement chère parce que dans le livre, il y a une séquence, donc c'est 61, c'est mai 61 très précisément. C'est une séquence centrale dans le livre, c'est Bois d'Avaux. Bois d'Avaux, en deux mots, je resitue, c'est c'est ce qu'on appelle Évian 1, première étape des négociations d'Évian où, ça y est, on est d'accord, De Gaulle a lâché l'affaire, on s'apprête à signer le départ de la France. Et il y a cette première séquence incroyable où la délégation algérienne va loger dans une résidence située à Genève, prêtée par l'émir du Qatar. Il s'agit pour elle d'être dans un pays neutre, et chaque matin prendra des hélicoptères qui décolleront de cette résidence et iront à Évian, territoire français, sur l'autre rive du lac, pour négocier avec les négociateurs français. Là, on est dans la résidence du Bois d'Avaux. Il y a d'autres photos, hein, mais celle-ci est incroyable parce qu'on y voit
À gauche, Kim Belkacem, qui est le chef de la délégation algérienne, et à droite, celui qui sourit de manière absolument rayonnante et presque comme un acteur de film noir, Tayeb Boulahrouf, qui a été absolument déterminant dans le dans les négociations. Et il y a, se dégage de cette photo quelque chose que dit très bien Kamel Daoud dans son texte, une assurance, une allégresse. Ces hommes, les Algériens, sont en train, sont victorieux. Ils sont en train de négocier la victoire. Et même si c'est un moment très compliqué, très tendu, parce que les négociations ont été âpres, et d'ailleurs, en juin, le premier round a été interrompu, il y a quelque chose d'une allégresse qui se dégage de charme là dans la résidence où il rencontre des personnalités, des journalistes, des étudiants. Alors là, je pense que c'est plutôt des journalistes ou des diplomates. Donc de faire en sorte que le monde soit acquis à la cause algérienne. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop longue. Troisième, alors j'aimerais juste dire aussi, puisque je m'étais fixée comme point de démarche récurrente d'établir des parallèles avec Kouassi, les photos de Kouassi, là, il y a aussi déjà une série d'hommes politiques entre donc, les photos de Depardon et les photos de Kouassi, des hommes politiques immortalisés dans leur acte de prosélytisme et de propagande, en fait. Et on trouve ça aussi chez Kouassi. On voit ces hommes politiques algériens en acte, en train d'essayer de séduire et de rallier à leur cause les autres. Maintenant, troisième livre. Algérie 90-95, chronique photographique, paru lui en 2018, photographie de Hamar Bourras. Alors, peut-être que Hamar pourra revenir aussi sur la chronologie, mais pour ne pas être trop long, je vais dire que simplement, il y a eu un concours de circonstances grâce à un écrivain que nous publions, qui est lui aussi journaliste, grand ami de Hamar Bourras, qui est Hadi. Bon, il y a eu une espèce de conjonction de facteurs et Hamar Bourras a exhumé ces photos, ces clichés, ces clichés qui étaient entreposés chez lui et il ne savait pas trop encore quel destin il allait leur réserver. Et à la faveur de ce projet, un réservoir s'est révélé. Il a fait un travail phénoménal, il a tout scanné, un travail méthodique absolument incroyable, et en cela déjà il doit être remercié, parce que je pense qu'il est réellement celui qui a garanti la mémoire de ces années, et il est probablement le seul. Il pourra peut-être rappeler dans quel contexte il a fait ses photos. Il était journaliste, mais surtout à l'époque aucun journal, parce que les journaux n'avaient pas vraiment d'expérience, n'avaient pas débuté dans le métier, aucun journal n'avait réellement de département d'archivage. Et donc, en fait, il publiait les photos, il faisait les unes, et après, on ne sait pas ce que devenaient les clichés. Donc, seul Hamar a fait ce travail de protection. Et donc, dans ces photos, qui se concentrent sur les années 90-95, il propose un kaléidoscope incroyablement complet de la vie à l'œuvre pendant ces années. Et plus je les regarde, plus je me dis que c'est une banque de données absolument exceptionnelle et que c'est le livre des années 90, si je puis utiliser cette expression dont pourtant enfin, je me méfie du caractère total des formules, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Elle témoigne des transformations politiques internes à l'Algérie. C'est la fin du parti unique, il y a plusieurs partis qui se créent, c'est la presse qui se libère, donc plusieurs organes de presse qui se créent. Mais elle est aussi, elle répercute aussi, elle fait résonner aussi les événements internationaux. C'est notamment
en janvier 91, la guerre en Irak. Et là, donc on a, par exemple, à droite, la photo, une des photos de la gigantesque manifestation de protestation contre la guerre en Irak qui a eu lieu à Alger, et où c'est juste phénoménal. On voit comme une espèce de, c'est comme une coulée de lave humaine. Et c'était pour dire non à la guerre, enfin, non à l'invasion, évidemment, à la guerre. Quand je dis que ces photos se font l'écho des transformations politiques intérieures, c'est aussi donc le multipartisme et très vite la montée du parti du FIS, du parti islamiste, Front islamique du salut, et où tout le monde découvre avec une certaine stupéfaction que la population algérienne, dans sa majorité, a rallié les thèses de ce parti. Et où il y a donc des meetings qui se multiplient parce qu'il y a des élections à la fois locales et législatives. Locales que le FIS gagne, législatives qui se préparent en décembre 91. Et se multiplient les meetings. Et c'est ça que Amar Bourras va... Alors, toutes les photos sélectionnées, là, ne disent pas tout ça, mais j'espère que vous aurez accès à ce livre d'une manière ou d'une autre et vous verrez la diversité. Ce que je retiens de cet ouvrage, c'est le spectre d'une largeur inouïe où Amar Bourras rencontre, j'ai fait la liste, en politique, des meetings, des portraits d'hommes politiques, de l'occupation des rues. Il montre les ouvriers au travail, des cheminots. Il montre les ouvriers, les travailleurs de la presse en grève ou à l'œuvre. Il montre des citoyens ordinaires qui traversent la rue ou notamment une dame sinistrée d'inondation de Babeloued. Il montre des étudiants des beaux-arts, des mannequins en train de défiler. Il montre des artistes à l'œuvre. Il fait des portraits d'écrivains et d'artistes. Il montre le monde sportif, des rendez-vous sportifs. Il fait des portraits de sportifs comme notre star nationale Morsi. Et donc, il y a cette espèce de ce que Malika Lahal, dans sa préface, dit très bien. La sélection des images par ordre chronologique rappelle à quel point la vie quotidienne a continué d'être intense et même joyeuse, alors que la violence déjà était là. L'histoire ne peut se raconter sans tenir compte de cette concomitance. Et c'est ça que Amar Bourras, dans ce livre, fait, c'est qu'il propose une concomitance. Cette concomitance, car il a continué à y avoir, même au milieu des attentats et des tueries, une vie artistique, sportive, collective et une résistance à la spirale de la violence. Il alterne en permanence entre photos collectives et photos qui rendent justice à l'individu. Il y a des scènes de groupe, il y a des portraits. Et en regardant, en feuilletant ce livre, en le lisant, on prend la pleine mesure de ce que le verbe documenter, une réalité, une période, signifie. L'étymologie du document, c'est montrer, faire voir, et j'ai retenu instruire. Et donc, grâce à lui, on est instruit sur cette période. On déplie véritablement la texture, et j'emploie ce mot aussi en clin d'œil à Malika Lahal, qui a un blog qui s'appelle Texture du temps, la texture composite de cette période. Alors que dans notre imaginaire, mais dans les faits aussi sans doute, cette période n'est pas documentée ou elle est saturée d'images de violence, un peu plus tard, c'est-à-dire d'images de massacres. Voilà. Ici, on a la réalité protéiforme, les pulsations d'Alger. Parce que c'est vrai que les photos essentiellement se concentrent sur Alger, à l'exception du voyage du président Boudiaf en 92 à Annaba. Il capte les pulsations donc de la vie algéroise et son ébullition. Je vais terminer ici, photo de stade. J'ai été frappée par le côté aussi compact et masculin. Mais bon, ça c'est ça, hein, les matchs, les stades de foot, en tout cas en Algérie. Et je voudrais terminer mon évocation du livre de Amar Bourras en évoquant ces deux aptitudes. Aptitude à capter les foules. Donc Clara vous a montré les trois photos de foule, donc masse indifférenciée, compacte, avec des visages qui émergent comme des fulgurances, et capacité
On va revenir donc voilà, à cette photo. Capacité à saisir des moments de bascule, moments historiques. Celui-ci, le premier, est un moment décisif. C'est le 26 décembre 1991, moment précis où on annonce la victoire du fils aux élections législatives et qui va faire basculer le pays, si tant est qu'on ait qu'on puisse isoler un moment de basculement, un événement comme ça où tout se cristallise, puisque tout de suite après, c'est le premier tour, c'est le résultat des premiers tours des élections législatives, puisque tout de suite après, il va y avoir un coup d'État militaire pour empêcher le deuxième tour et qu'ensuite la spirale de la violence va se déchaîner. Voilà. Et deuxième moment décisif, celui-ci, nous sommes en 92, c'est Mohamed Boudiaf, président, qui a été appelé pour essayer d'apaiser la violence qui commençait à monter, qui fait une visite à une tournée dans le pays et qui fait une visite à Annaba et qui prend la parole lors d'un meeting. Amar Bourras est là pour couvrir l'événement. Et cette photo, dites-vous bien que c'est la dernière, c'est la photo au moment, la photo prise au moment où Mohamed Boudiaf entend une détonation, tourne la tête, on s'en souvient tous, je pense, tourne la tête, intrigué par ce bruit, et tout de suite après, se fait tirer dessus et assassiné par son assassin. Et Amar Bourras, de manière absolument, je ne sais pas, miraculeuse, dans une espèce d'épiphanie morbide et tragique, va saisir cette photo, ce moment. Voilà. Parallèle avec Kouassi, vous verrez dans ce livre que Amar Bourras a saisi des portraits d'hommes politiques, Bendella, Ait Ahmed, Mehri, de manière voilà, Mehri, Boudiaf, figure, comment dire, qui fait figure de qui pour les Algériens, pour le citoyen algérien sont juste incroyables, voilà, Kouassi en fait autant, et tous ces hommes ont bien vieilli dans les années 90, alors que Kouassi les a saisis jeunes et fringants. Merci, merci à vous. Pardon d'avoir été un peu longue. Merci beaucoup, Salma. Je passe tout de suite la parole à Amar Bourras. Je pense que ce sera dans la continuité de ce que tu viens de nous dire. Bonsoir tout le monde. C'est-à-dire le regard des autres sur son travail. Moi, dans ce soir, je vais essayer d'être un peu plus technique, c'est-à-dire parler de la photo, mais la photo, je dirais, beaucoup plus en tant que médium, en tant que moyen pour arriver à autre chose, en fait. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai acheté mon premier appareil photo. En étant à l'École des Beaux-Arts de Constantine en communication visuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le design graphique, la photo était une matière très importante, c'est-à-dire dans le cursus et là où on doit vraiment avoir des bonnes notes. Quoi. Et donc, c'est-à-dire, j'ai vu un film, le titre c'est « Under Fire ». Et ça parle, c'est-à-dire d'un journaliste américain au Nicaragua qui essaye de rencontrer un certain Raphaël, figure de la Révolution et tout ça. Et c'était très compliqué de le rencontrer. Et un jour, c'est-à-dire, il y a des gens qui viennent, enfin des révolutionnaires qui viennent et qui lui demandent s'il veut rencontrer Raphaël, il n'a qu'à venir avec eux. Et donc, ils le prennent en plein maquis et là, il lui montre un cadavre sur une table. Le cadavre, c'est Raphaël, justement, c'est-à-dire cette figure de,
c'est-à-dire de révolution au Nicaragua. Et on lui demande, comme c'est-à-dire les États-Unis c'est-à-dire ont un budget ou des armes à envoyer c'est-à-dire au régime c'est-à-dire de ce moment-là dans ce pays, il lui demande, c'est-à-dire il y a eu la rumeur que son Raphaël est mort. On lui demande de faire une photo de Raphaël, mais on le voit vivant. Et c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire avec beaucoup, bien sûr, de morale, de, je ne sais pas, c'est-à-dire de revenir sur tout ça. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je pense que sa dernière photo, on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fin de compte. Et donc, moi, c'est-à-dire j'ai pris c'est-à-dire la photo, c'est-à-dire à partir du moment où ça me donne la possibilité de figer un espace, de garder un temps, j'ai la possibilité à un moment donné de revenir sur ce temps pour essayer d'en faire complètement autre chose. Là, je vais partager avec vous mon écran. Je n'ai pas vraiment de méthode, on va dire, scientifique, tout ça, mais je vais essayer de parler justement de cette démarche, de comment arriver, c'est-à-dire d'une image, c'est-à-dire qu'on voit à une autre image. J'ai beaucoup utilisé, c'est-à-dire je dirais les techniques de la photo. Là, on va faire, pardon, juste un écran, vas-y, on va se mettre en arrière. Désolé hein, pour ce, j'avais tout préparé à l'avance, hein, mais bon. La présentation, affiché le plein écran, voilà. Donc, mon principe, c'est-à-dire que je fais toujours une photo et à partir de cette photo, je vais faire des... comment dire, des transferts de positif en négatif ou après de négatif en positif, etc., toujours sur le transparent, pour arriver à une image qui sort complètement de, je dirais, de la réalité et qui devient carrément autre chose. Là, par exemple, on voit, c'est-à-dire l'image de base, tout à fait en haut, et après, donc, avec toutes ces transformations, changer cette réalité pour arriver à autre chose. Là, c'est une photo, et après, donc, transformation pour arriver à autre chose. Là, c'est toujours un travail, et par moments, c'est-à-dire, on a des, je dirais, dans ces transformations de passage, je dirais, d'effacement, c'est-à-dire de temps et de l'espace, c'est-à-dire dans une image, à créer complètement un autre espace et un autre temps dans cette image. Une autre photo aussi, c'est-à-dire comment arriver d'une photo à donner autre chose. J'ai essayé aussi, c'est-à-dire de photographier mes scènes, c'est-à-dire on va dire de plusieurs angles, pour essayer d'en faire une seule image. J'ai essayé d'imprimer carrément mes personnages sur le support sensible, donc pour vous dire que je me suis beaucoup intéressé à la technique, c'est-à-dire en tant que technique, ce que maintenant, c'est-à-dire la technique numérique nous facilite, c'est-à-dire énormément la tâche. J'ai imprimé aussi, c'est-à-dire j'ai travaillé directement sur des supports sensibles, c'est-à-dire avec du produit chimique, révélateur et fixateur. Et ça donne, je dirais, un temps et un espace qui n'appartient qu'à moi. Toujours. J'ai essayé de rassembler, c'est-à-dire sur un même espace et dans le même temps, on va dire, plusieurs temps, double exposition, rassembler deux personnes sur une même surface sensible, des autoportraits, c'est-à-dire dans un espace à des moments différents, c'est-à-dire dans une même photo. Après, j'ai prouvé le besoin, c'est-à-dire d'intervenir carrément sur mes images, c'est-à-dire sur l'image ici, c'est-à-dire on voit la photo de base, on va dire, et sur l'image de droite, donc on voit l'intervention sur le 24-36, c'est-à-dire sur le négatif, c'est-à-dire sur le positif qui vient
d'un négatif qui vient d'un positif, etc. C'est-à-dire parce qu'à chaque fois, ça s'efface. Une intervention donc avec les, je dirais, les techniques de peinture, c'est-à-dire des feutres, grattage, etc. Toujours la même technique. Toujours travail sur négatif, c'est-à-dire avec des personnages découpés, photographiés. Toujours, c'est toujours par rapport aux années 90. C'est-à-dire, ça, c'est le stade, c'est-à-dire, c'est le résultat d'un travail dans le cadre d'un stage à l'école d'art d'Arles, c'est-à-dire pendant les rencontres d'art, je ne me rappelle plus en quelle année, 97, ou tout ça, pas moi. Toujours. Ça, c'est un autoportrait avec la même technique en hommage à Yvon Schill, que j'aime beaucoup. J'ai essayé aussi, c'est-à-dire c'est-à-dire travailler une image, la projeter sur mon corps et prendre la photo de tout ça pour essayer d'en faire autre chose. Un autoportrait à partir d'une photo, après avec des interventions donc, techniques. Là, c'est un tirage numérique sur lequel j'interviens. Toujours tirage numérique, tirage photographique argentique. Et après, intervention avec la peinture et les techniques de peinture. Toujours peinture, photocopie pour agrandir. Toujours tirage numérique sur les mille et une nuits. Toujours dans les mille et une nuits. Ça, c'est une de mes dernières peintures en 2018. Toujours la photo, elle est omniprésente dans mon travail, bien sûr, parce que c'est-à-dire l'approche plastique, elle est là. C'est-à-dire ça démarre toujours pratiquement d'une image du monde extérieur sur laquelle j'interviens après, sur laquelle je la transforme, je la mode d'une manière ou d'une autre. Et comme parlait tout à l'heure Selma, je me suis intéressé, pourquoi j'ai parlé aussi d'Under Fire, c'est-à-dire du film. Parce qu'en fait, dans les années 90, c'est-à-dire quand le terrorisme a commencé en Algérie, c'est-à-dire personnellement, j'étais complètement coupé du monde. J'ai quitté la cité universitaire parce que des islamistes sont venus me voir dans la chambre universitaire pour me dire que celui qui touche à l'islam aura son châtiment parce que j'ai diffusé une photo, c'est-à-dire de la première attaque islamiste pour empêcher un concert de musique, ça se passe à Alger, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai nié, et le lendemain, j'ai quitté la cité universitaire pour aller ailleurs. Et donc, c'est-à-dire, on vit dans des endroits, il ne faut pas avoir d'adresse, il ne faut pas avoir d'habitude. C'était ça, le principe qu'il faut suivre, quoi. C'est-à-dire. Et un jour, populaire, le plus connu, donc tout ce qui est, ça passe par la télé. Et donc, il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque, qui veut dire les avoues d'un terroriste. Et ils passaient à la télé, donc quelqu'un, Il passait à la télé donc quelqu'un qui parlait d'un terroriste, qui parlait de son expérience, et la voix off qui est là, bien sûr, qui insiste, c'est-à-dire à poser des questions, c'est-à-dire pour demander vraiment des détails. Et à chaque fois, la personne essaye d'échapper, c'est-à-dire pour ne pas parler des détails, mais la voix off, elle insiste encore, jusqu'à ce que le gars pratiquement mime, c'est-à-dire ce qu'il a fait ou comment il a commis son crime. À ce moment-là, moi j'étais devant ma télé, j'avais rien. Je me suis dit, j'étais, c'est-à-dire dans une situation, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passe autour de moi, et j'ai commencé à photographier la télé, c'est-à-dire à prendre la télé pour cible, c'est-à-dire j'ai commencé à photographier et j'ai fait quelques photos qui m'ont servi plus tard, bien sûr, pour d'autres travaux, un autre regard, mais beaucoup beaucoup de temps après, bien sûr.
toujours le gars terroriste qui parle, qui raconte son histoire. Après, donc, j'ai photographié, même la télé, je l'ai partagée, j'ai photographié morceau par morceau, c'est-à-dire les pièces par pièce, c'est-à-dire comme un puzzle, pour, à la fin, c'est-à-dire essayer de monter cette image et ce qu'elle raconte. Après, bien sûr, intervenir, c'est-à-dire sur cette image au moment du tirage, c'est-à-dire avec les produits chimiques, décider à quel moment il faut arrêter, à quel moment il faut rajouter des choses, il faut enlever des choses, etc. La télé aussi diffuse aussi des portraits de journalistes assassinés, d'individus, d'Algériens de ce moment-là. Les terroristes capturés par les services de sécurité, les Algériens assassinés, journalistes, etc., etc. Là, je quitte cet écran. Bon, comment arrêter le partage d'écran? Arrêter le partage, ok. Donc voilà, grosso modo, c'est-à-dire ma démarche, c'est-à-dire pour moi la photo était, c'est un moyen qui nous permet, c'est-à-dire d'arrêter un temps, d'arrêter un moment, et pour après avoir le pouvoir d'agir sur ce temps et sur cet espace. Je peux vous montrer aussi quelques-uns de mes travaux et qui prennent, c'est-à-dire la photo comme élément toujours, c'est-à-dire de base. Celle m'a parlé de l'assassinat de Mohamed Boudiaf. C'était un acte en direct à la télé. 10 ans après, c'est-à-dire l'assassinat, j'ai eu une commande de la Biennale de Sharjah. Et j'ai fait un travail autour de ce moment, c'est-à-dire, je dirais, ce négatif, c'est-à-dire ce moment de la salle vide, juste après, peut-être quelques photos avant, et ce qui se passait autour, c'est-à-dire, moi, j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts, je travaillais comme photographe de presse à temps perdu, et donc j'ai essayé de rassembler un peu ces moments dans un travail. Là, ça dure, bon, ça tag out, ça dure dans les 4 minutes. Donc, normalement, voilà, on va le partager, on va le voir. Alors, attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut passer d'abord. Et après, donc, avant, après, partager l'écran. OK. Et là, on fait lecture. Normalement, ça marche comme ça.
نشوفوا هذا الضوء اللي فاتحنا باش فاتنا فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام Voilà, donc c'est une vidéo en boucle qui continue. Voilà, je voulais aussi partager avec vous mon dernier travail, enfin tout ça, c'est-à-dire pour vous montrer un peu ma démarche, c'est-à-dire mon rapport, je dirais, à la photo, à l'image du monde extérieur. Voilà, je veux aussi partager avec vous mon dernier travail, enfin des extraits, parce que c'est quand même une vidéo qui dure 17 minutes. Là, on va voir des extraits sur les essais pour la Biennale de Berlin, c'est-à-dire la dernière, sur les essais nucléaires français dans le désert algérien. Et voilà, donc vous allez voir, et après, si vous avez des questions... Alors, le quick time. Assalamu alaikum.
استحب بطل سيا اياك هون دجاها كنا نيني نجمع اياك اكيد اكاك عارف تبدا بلاد ابدا دور اسم السامس بس ده كان الداخل الكل ولا والشعر ولا مدري صار دي دي هذا الاختار يسوي باك لو سون ايتي كوبي يا بون Je ne sais pas, c'est là, j'ai pensé que la vidéo, c'est... Oui, désolé. Bon. Il y a un loin d'ayoukai. Avec un drap de bois. Il y a un drap de bois. Il y a un drap de bois. Ah, de commander à te commander de ça, c'est bien. Il y a... Khalas. Astahad batansia. La pémissine a d'un cara. Il y a un drap de bois. Il y a... Astoga, when the Jahaka Hakin the Haki Nadiswak. Yeah. Then Yaka Akaha is the same character. Le 18 mars a marqué les 60 ans de la signature des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Le 1er mai suivant, notre armée a possédé à l'essai d'une bombe nucléaire en plein hangar dans une galerie pour confiner le tir et creuser dans la montagne du Tanafela au lieu dit Inéker, un simple poste de gendarmerie sur la piste saharienne vers Tamanras. Dès 1960, Reagan avait été choisi pour procéder à 4 tirs à l'air libre en plein Sahara. Devant les protestations soulevées par l'absence de toute précaution devant les retombées radioactives, notre terrain d'expérimentation a été déplacé de Reagan à Inéker. Cet essai était le second d'une longue série et a pris pour nom de code Beryl, succédant à Emerald le premier tir. Notre bande scientifique avait placé toute sa confiance dans le bouclier pour contenir l'explosion dans la galerie. La meilleure illustration de cette confiance a été l'installation d'une tribune dressée face à la montagne pour accueillir les officiels venus de Paris, dont le ministre de la Défense Pierre Messmer et Gaston Paleschi, ministre en charge de la recherche scientifique. Le tir déjoua toutes les prévisions quand un nuage sablonneux et chargé de radioactivité s'échappa de la montagne et fut dispersé à l'est et au sud sous des vents répondant à des conditions météorologiques défavorables. La panique fut générale et les officiels, les ministres en tête, prirent la fuite par tous les moyens motorisés pour regagner la base ville du nom de Camp Saint-Laurent. Les deux ministres, les premiers, passèrent à la douche de décontamination et reprirent leur vol vers Paris. Voici dressé le décor de ce qui deviendra l'accident de Beryl, euphémisme pour une catastrophe dont on ne sait toujours pas quelle a été l'ampleur et les conséquences sur l'irradiation et la contamination de la troupe présente et des populations villageoises sédentarisées dans les centres de culture ou nomadisant comme les Touaregs. Je témoigne ici comme appelé du contingent avec une formation d'ingénieur chimique. De ce siècle pour témoigner sur Beryl, et cela grâce à un reporter du journal Le Monde qui m'offrit les pages de son quotidien. Pour combler le silence des autorités françaises, je témoignais dans un ouvrage sous le titre Les Irradiés de Beryl, auquel j'ai associé 4 camarades avec leur témoignage.
Merci, merci beaucoup, Amar, d'avoir partagé ces ouvrages et ces réflexions. Je pense qu'il faut tout de suite passer à Mourad Krina et en espérant pouvoir revenir après pour en discuter ensemble. Mourad. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie d'être présent, d'être présent ici. Je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser place à la discussion après. Et je voudrais juste montrer mon rapport de ce que je fais avec la photo, qui est le matériau de base que j'utilise dans mon travail. Généralement, je travaille sur des images issues des médias. Généralement, c'est une réflexion sur la perception du public de l'image médiatique véhiculée par Internet ou la presse écrite ou audiovisuelle. Et je prends ces images-là et j'essaie de leur donner un autre sens pour faire réfléchir sur leur contenu et leur, la façon dont ils sont pris par le public. Par exemple, j'avais fait un travail pendant les manifs de 2011 à Alger, j'avais fait un travail où je récupérais la une du journal le lendemain de chaque manifestation que je retravaillais pour lui donner justement cet autre sens. Voilà, oui, il faut que je partage mon écran là. C'est-à-dire à partir. À partir de cette image, qui est la une du journal le soir, j'arrive à faire ça. C'est-à-dire lui donner, enlever tout le superflu, accentuer les couleurs, etc., pour lui donner une sorte de déflagration populaire. Et surtout avec les dimensions, ça a été exposé sur 4 mètres par 4, et franchement, quand on la voit de près, on ne voit qu'une accumulation de pixels, en fait. Et je fais aussi énormément de faux papier peint, ce sont des énormes tirages, avec une image clé qui se répète à l'infini, et qui perd tout son sens par la multiplication, et puis par le travail esthétique que je fais derrière, les couleurs, etc. Ce que je veux démontrer par ça, c'est que on est tellement bombardé par ce genre d'image qu'on n'arrive plus à les voir. On passe notre vie à zapper, on passe vraiment à côté. Et quand j'expose ce genre d'image, ils sont tellement immenses que ça transforme en abstraction, et quelque part je demande au public de s'arrêter un instant pour pouvoir voir ce que ça raconte derrière. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Pardon. Mourad, j'ai l'impression que l'écran ne bouge pas, hein. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Oui. Vous ne voyez rien là? Juste un fond d'écran, donc avec des petites vignettes. S'il vous plaît, ouais. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Très bien. Alors. Elle. Amal. Toujours. J'ai un fond d'écran. Je ne sais pas. Oui, là c'est bon. Voilà. Ok. Là c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Moi je suis une bêtise. Donc là, exactement, on continue.
Là aussi, c'est un autre travail où j'exploite ce qu'on appelle les élites, ce sont les carottes céramiques qu'on trouve dans les maisons mauresques au Maghreb. Et derrière, si on zoome, on verra des images de manifestations au Maroc. Et plus tard, j'ai fait la même chose en Algérie. Et en fait, c'est une réflexion sur l'image officielle que certains pays de la région veulent donner de leur pays, alors qu'il y a derrière toute une réalité qui bouillonne, etc. Ça va, vous voyez là, Marc? Oui. Voilà. Et donc, généralement, ce sont des images de manifestants, des images de conflits, des images de migrants, etc. Et c'est par la taille et puis par la multiplication, on n'arrive vraiment plus à rien voir. Je suis désolé pour l'image, hein. J'ai fait une fausse manipulation. Je crois qu'on peut quand même... Là aussi, c'est à partir du même travail des élites qui a été réalisé en sérigraphie. Vous savez, en sérigraphie, on sépare les couleurs et chaque couleur est imprimée à part. Et en séparant les calques, les différentes couleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de travail de déconstruction de cette image qui je trouvais franchement intéressant. Parce qu'on voit quelques éléments des carreaux de céramique et puis d'autres éléments de manifestation, de photos de manifestation. Et puis, entre les trois images, ça commence à s'estomper petit à petit. C'est un travail qui s'appelle Maghreb Deconstruction. Donc voilà. Pareil, là, c'est à partir d'une image d'un manifestant. Voilà, ça, c'est le travail qui a été réalisé à Alger l'année dernière. Un autre travail sur les élites, et c'est à partir, pareil, hein, on prend les photos des élites et on plaque derrière des photographies de manifestants. J'avais pris pendant le Hirak, pendant des jours et des jours, on peut le voir ici. On peut voir quand même, si on s'intéresse vraiment, et c'est franchement le jeu que je veux établir avec le public, si on s'intéresse vraiment aux images, on peut les voir. C'est-à-dire, par exemple, ce travail-là a été montré à la Villa Abd el-Tef, que Selma et Amar connaissent, qui est une sorte de résidence, espace d'art de type mauresque. Et donc, il y avait des carreaux de céramique partout. Il y avait des gens qui passaient à côté, croyant que ça faisait partie de la déco de la maison. Et franchement, moi, ça ne me pose aucun problème, parce que s'il faut voir, il faut s'intéresser, en fait. Voilà, voilà. Et je suis vraiment désolé pour le sens des images. Hein. J'ai fait une fausse manipulation, là. Et etc. Là, je suis en train de travailler. Donc oui, l'un des derniers travaux sur lesquels je travaille en ce moment, c'est en fait après le Covid, après la fin du Hirak, j'ai commencé à archiver les écritures, les tags, etc., que les manifestants ont écrit dans les rues, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on était en train de les effacer, que la mairie était en train de les effacer. Donc, j'ai archivé, j'ai commencé à faire ce travail sur les traces qui s'effacent. Et à partir d'un stencil, d'un pochoir, où il y a écrit « Makash intikhabat mal'isabat », c'est-à-dire « pas des élections avec les gangs », terme que les citoyens ont donné à l'ancienne équipe Bouteflika. J'ai fait un travail vidéo qui s'appelle Rise, Fall, Repeat, où on voit cette phrase apparaître du néant, grandir, 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 jusqu'à s'effacer, et puis on boucle, donc ça reprend, et ça s'efface, ça reprend, ça s'efface. Et c'est un peu une métaphore sur les luttes qui ne doivent pas s'arrêter, même avec les échecs, qu'il faut toujours reprendre de nouveau, renaître de nouveau, etc.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. On a très peu de temps, mais donc j'encourage ceux et celles qui suivent de mettre leurs questions, leurs commentaires dans le Q&A, assez rapidement d'ailleurs. En attendant, il y a déjà un commentaire qui peut servir, il me semble, de point de départ de discussion, à la fois pour Amar et pour Mourad. Donc, Adel Benbella, l'organisateur principal de cette série d'événements, dit qu'on a l'impression que Amar, à travers sa démarche, cherche à repousser certaines limites de la photographie et du point de vue unique en additionnant les points de vue, les images, les médias. Est-ce qu'il pourrait parler un peu plus de cette démarche? Mais je crois que c'est une démarche commune qui est aussi la vôtre, Mourad. Donc, il s'agit donc du rapport entre la fameuse indexicalité de la photographie, le ici et maintenant, du regard photographique, regard unique, et la multiplication, le remaniement de ces images dans ce que vous en faites. J'ai une question aussi pour Selma un peu ciblée qui concerne, donc en rééditant le travail de Mohamed Dib, les photographies de Mohamed Dib, donc vous avez à la fois rajouté une préface de Wassim El Haredj et coupé une deuxième série de photographies de Philippe Bordas qui avait été qui paraissait dans la première édition. Donc, je serais très intéressée de vous entendre parler de ces décisions éditoriales. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y. Allez-y peut-être, Selma, si vous voulez. Moi, ça va être très rapide. Dire effectivement que l'idée est venue de rééditer parce que cet ouvrage a paru en 94 sous le format, comme le rappelle Madeleine, merci de le dire, donc une coexistence des photos de Mohamed Dib de 46 avec un texte de Mohamed Dib écrit en 94 à la faveur de cette publication, mais aussi en regard des photos de Philippe Bordas qui était allé à Tlemcen sur les lieux mêmes photographiés par Dib en 46 et pour qui est un regard contemporain d'une autre personne. Le parti pris a été avec la famille, parce que c'est un projet qui a été lancé après le décès de Mohamed Dib, et donc avec les ayants droit, en l'occurrence la veuve de Mohamed Dib et sa fille Assia Dib en particulier. Le parti pris a été de donner sa pleine mesure à l'œuvre photographique de Dib, donc solitairement, de l'augmenter en fait de clichés, de négatifs qu'elles avaient retrouvés dans les archives familiales. Et voilà, donc ça a été longtemps discuté, et puis la revue Noire a été d'accord aussi, parce que quand même, le concept éditorial était différent, et puis l'idée était véritablement de donner à voir une œuvre dans sa totalité solitaire en quelque sorte, et qu'il n'y ait même pas de regard. En fait, ce qui avait du sens vraiment, c'était 46 pour nous, en tout cas pour la publication algérienne en 2020, c'était les photos de 46 enrichies de photos inédites trouvées par la famille, et de donner la parole à un écrivain algérien originaire de la région, Wassim El Haredj, consacré, et qui aurait été en mesure d'entrer lui aussi de faire entrer en résonance sa subjectivité liée à ce territoire qu'est Tlemcen, de la faire entrer en résonance comme une espèce de constellation en fait avec l'œuvre de Dib. Voilà, ça a été une espèce de, en fait l'idée c'était vraiment de proposer un concept éditorial différent. Merci. Amar et Mourad. Pour répondre à Adèle. Oui, alors moi je ne me considère pas comme photographe. J'utilise énormément de photographies, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient, ou que j'exploite d'autres photographies,
photographie de médias, par exemple. Et c'est franchement la force de la photo en tant que telle que je veux exploiter, c'est-à-dire l'impact visuel de l'image. Donc, je préfère utiliser le terme d'image plus que photographie. On sait depuis longtemps, depuis Andy Warhol déjà, que la multiplication suscite l'anonymat de l'objet. C'est Duchamp qui disait de Warhol que ce qui l'intéressait, c'est pas la bouteille du Coca-Cola, c'est 100 bouteilles de Coca-Cola. Donc c'est le concept qui l'intéressait. Et franchement, quand je multiplie les images sociales ou politiques, c'est vraiment faire réfléchir à leur impact et pas uniquement au sujet de la photographie. Voilà, c'est à Amar maintenant. Oui, pour répondre à notre ami Adel, moi je pense que, c'est-à-dire comme dans une peinture, c'est-à-dire le temps est accumulé, c'est-à-dire à chaque passage, c'est-à-dire le peintre il est là avec son pinceau, il rajoute du temps à chaque fois à sa peinture, à son travail. Et pour moi, la photo, c'est un peu dans ça. C'est-à-dire, c'est en fait un temps et un espace arrêté. Et ce travail de passage, je dirais, de négatif, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, je parle d'une technique qui n'existe plus d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si les gens qui écoutent, c'est ce qu'on appelle la photo analogique, donc où il y a un film, c'est-à-dire qu'on développe, après on fait les tirages et tout ça. Et donc, le principe, c'est on a notre image en négatif sur la pellicule et après, donc, on fait un positif, c'est-à-dire on sort un positif de cette photo. Donc, la réalité, elle est déjà passée par une étape. Pour moi, cette étape, je la prolonge encore en passant justement de ce négatif sur un autre positif, sur un autre film. Et ce positif, c'est-à-dire le résultat de ce négatif, va passer encore sur un autre film pour avoir un autre négatif et ça continue comme ça en fait. Et le fait de superposer, c'est-à-dire ces moments à chaque fois, ça efface les demi-tons, ça efface les gris dans une photo noire et blanc et au bout d'un moment, on arrive à un tracé carrément noir-blanc. Alors que maintenant, sur Photoshop, deux touches magiques, c'est fait, quoi. Et donc, c'est-à-dire pour moi, en tant que plasticien, ces moments sont très importants dans mon processus, on va dire, de création. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question ou pas, mais voilà, quoi. C'est-à-dire, si... Voilà. Merci. J'aimerais juste dire une chose, c'est que je suis frappée par... en tout cas chez Amar et l'obsession qu'il a de l'ubiquité. L'ubiquité qui veut dire être présent physiquement à plusieurs endroits et en même temps, et on pourrait même dire, et à différents temps. Et il y a quelque chose qui me frappe vraiment en voyant, il y a une espèce de c'est comme tu es un démiurge et tu travailles à dupliquer et déplacer en même temps le temps, l'espace et à les réunir et donc comme une espèce de tension vers l'ubiquité. Voilà, c'est tout. Il me semble important de revenir sur ce qui a été dit sur l'image et le traumatisme ou le temps nécessaire pour faire des images, pour regarder des images. Seulement, à ce que j'ai bien compris, à Fleur de silence, vous disiez que c'était trop difficile, encore trop difficile pour les lecteurs. Et Amar, donc, vous êtes revenu sur ces moments extrêmement traumatiques, difficiles de l'assassinat de Boudiaf
Mais peut-être que c'était déjà 15 ans, 20 ans exact. Même, après l'événement. Est-ce que tous les deux, vous pouvez parler de ça, de la question du temps nécessaire pour faire l'image, pour revenir à l'image, pour regarder l'image? Je me permets alors de citer Malika Rahal qui commente en fait l'acte, le geste instinctif de Amar Bourras s'emparant de son appareil photo lorsqu'il est confronté à ces images qui défilent, à cette émission de propagande et qui traumatise à nouveau. Qui passe à la télévision et elle dit ceci: face au choc de la violence, dans la paralysie ou le silence que provoque son simple récit, quand il n'est pas encore possible de la comprendre ou d'analyser sa propre réaction, il est parfois encore possible de la photographier et de s'en protéger un peu, comme de la gorgone, comme d'un bouclier, donc, en la regardant à travers l'objectif de son appareil photo pour ne pas être pétrifié. La photo est dans le négatif, elle est là, c'est un moment d'histoire, dit Amar Bourras. Un jour, plus tard, on pourra réaliser une boucle temporelle pour revenir sur ce moment sidérant, le repenser, le transformer en un geste créateur ou même en faire l'histoire. Déclencher alors pour saisir une image, même floue, c'est dire qu'on ne sera pas perpétuellement paralysé par la violence, c'est un geste de résistance et le jour où l'on peut regarder bien en face la photographie, c'est aujourd'hui. Donc, voilà, cette idée que je pense qu'on sent tous plus ou moins que Mourad, artiste, créateur, graphiste, Amar Bourras, artiste, créateur, graphiste, moi avec Sofiane Hadjadj, éditeur, nous sommes des sortes de relais, de passerelles qui devons rendre compte de cela, même s'il est encore trop tôt. Mais c'est là. Et ça va se sédimenter. Et nous sommes garants de ces traces-là. Et quand le lecteur ou le passant ou le citoyen observateur sera prêt, eh bien ça sera là. Voilà. Je me souviens en effet au Salon du Livre d'Alger, des gens qui parce que ça s'accompagnait en fait les photos étaient accompagnées aussi de témoignages extrêmement brefs de personnes abîmées par le terrorisme, et vraiment on ne peut pas faire photo plus contournée en quelque sorte, plus pudique, et même ça c'était insoutenable. Donc voilà, je me dis qu'il faut probablement un temps, mais que nous, notre mission, notre devoir, nous qui sommes un peu comme ça, intermédiaires entre, eh bien nous devons être là. Oui, ce que tu décris, Salma, c'est vraiment très proche de la définition même, n'est-ce pas, du traumatisme, quelque chose qu'on vit pas au moment même où ça se passe, mais c'est la prise de vue, c'est l'image qui vit ça, et après coup, on revient à l'image pour découvrir ça dans une autre temporalité. Oui, et que je pense que dans notre cas, Sofiane et moi, en tant qu'éditeurs, nous sommes aussi dans une réflexion, même si elle n'est pas très poussée et tout, comment contribuer par le biais détourné, par le truchement de la création, que ce soit la littérature ou le livre photo, comment contribuer à une réparation psychique, collective, de ce qui a été vécu par la collectivité. Et paradoxalement, je pense que ce travail, même s'il est microscopique à la marge, qu'il a un impact, je pense, très très marginal, je pense qu'en tout cas nous pouvons le faire en toute liberté, précisément parce qu'il est à la marge et que nous ne sommes pas nous ne risquons pas d'être inquiétés
parce que voilà, parce que nous sommes dans, inscrits dans des sillons extrêmement marginaux. Mais voilà, nous parions sur l'accumulation et la sédimentation. Amar, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à. Sincèrement, c'est-à-dire après ce qu'a dit Selma à propos de ce temps, c'est-à-dire qui passe et comment lire les choses après. Si je dis d'autres choses, je vais casser un peu ce qu'elle a dit. Donc, je préfère rester sur sa poésie que d'aller vers autre chose. Non, mais j'insiste. Mais en fait, c'est-à-dire pour moi, c'était par exemple par rapport à la photo, c'est-à-dire à l'événement de l'assassinat de Boudiaf. Je sais que, c'est-à-dire, par exemple, juste après, en arrivant au journal à Algérie Publique à l'époque, je suis rentré au labo comme si rien n'était. J'ai fait développer mon film, j'ai fait mes tirages, j'ai donné à la rédaction. Le lendemain, ça a fait la une, la 24, ça a fait pratiquement tout le journal. Et le lendemain, c'est-à-dire, on a fait encore, ils ont publié encore d'autres photos et tout ça. Et le troisième jour, c'est-à-dire le jour de, enfin, je ne me rappelle plus si le troisième jour ou le jour d'après, l'essentiel, c'était le jour de l'enterrement de Boudiaf. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter, c'est-à-dire pendant 3-4 jours. Je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était impossible de s'arrêter de pleurer. Et ces photos-là, depuis ce moment-là, je ne les ai pas regardées. C'est-à-dire, je sais qu'ils sont, c'est-à-dire, classés dans un bout de papier, enroulés, avec la date, avec le sujet, tout le blabla, mais elles étaient là. Et ce n'est qu'en 2010, d'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le temps, hein, c'est-à-dire, parce qu'il a été assassiné en combien ? 22. 92, voilà, donc on va dire 92 jusqu'à... 2022 ? Non, 2010 pour la finale de Sharjah. Et c'est là où, c'est-à-dire la thématique s'adaptait, une amie donc, a proposé mon boulot, et donc j'ai commencé à travailler sur le sujet, et là j'ai sorti ces négatifs et je les ai regardés. Je ne sais pas comment philosopher sur ce qui se passe, c'est-à-dire psychiquement ou autre, mais c'est un peu ce qu'a dit Selma au début de son intervention à ce propos. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur la série de photos dont tu parlais, Selma, des témoignages. Alors, un jour, je consulte un livre de l'agence Magnum, l'agence de photographes Magnum, et je tombe sur une photo. Désolé, je n'ai plus la référence, hein, je n'ai plus le nom du photographe, mais je tombe sur une photo sur l'annonce de l'assassinat de Martin Luther King à la télé. Et je me dis, je connais cette photo. Après, je dis, bah non, je l'ai vue dans le livre de Amal. Voilà, c'est franchement la même composition. Il y a une chambre, on va dire, nue, vide. Il y a une télé sur une table ou une chaise. Et au fait, là, deux photographes ont attrapé ce moment-là, un moment historique, à travers leurs écrans. Donc voilà. Et c'était complètement... Enfin, le rassemblement entre les deux photos était saisissant. Voilà. Malheureusement, nous avons déjà dépassé notre temps, mais je ne veux pas quand même terminer sur le sujet, sur la question du traumatisme, mais peut-être tourner vers quelque chose qui semble intéresser beaucoup de gens, c'est-à-dire la question de la photographie et le Hirak. Et Mourad, vous avez parlé de ça, donc du besoin constant de la résistance, du retour à la protestation. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez tous les trois dire quelque chose sur la question de la photographie dans ce contexte du Hirak? Et si par exemple votre rapport à la question du témoignage ou du remaniement de l'image a changé depuis 2019.
Voilà, c'est une question très, très large, mais... Alors, je voudrais dire que aujourd'hui, tout le monde prend des photographies, tout le monde. Et pendant les manifs, tout le monde prenait des photographies, des sons, des vidéos, etc. Nous-mêmes, on... certainement pas Amar, hein, parce qu'Amar, on va dire, il est plus professionnel en tant qu'artiste et photographe. Mais moi-même, je prenais des photos avec mon téléphone. Même si je sais que 80% vont disparaître après, on vide nos téléphones régulièrement. Mais la question que je me pose déjà aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va rester comme, comme image de ces manifs ? Est-ce que les miennes ? Pas photographie, hein, parce que je suis pas, sont pas bonnes. Mais voilà, dans 20 ans, si on doit faire, si Amal doit faire Algérie chronique photographique 99-2021, quelle photographie on trouvera dans cet ouvrage? Ben pour moi, c'est-à-dire que j'en ai pratiquement raté, on va dire que 3 ou 4 vendredis pour des raisons vraiment très majeures, c'est-à-dire c'était impossible. Mais j'ai continué à faire des photos, c'est-à-dire malgré qu'il y a des moments où je me posais la question justement, ça va servir à quoi, ça sert à quoi d'avoir ces photos et tout ça. Mais n'empêche que j'ai... et le moment où j'ai arrêté, c'est quand la COVID est arrivée. Bon, hein, il y avait le risque et tout ça. Et bon, c'est-à-dire que j'ai senti aussi que ce Hira commence à être récupéré d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit par le système en place, soit par les islamistes de Londres ou d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, et après, tu te poses la question... qu'est-ce que je fous, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ces gens, quoi, c'est-à-dire pourquoi je suis là. Et aussi, il y a ce flux d'images, c'est-à-dire qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, tout et donc, pour cette fois, ce qui est bien, c'est que ça derrière les métadonnées, donc, parce que c'est du numérique, donc on écrit, après chaque vendredi, c'est-à-dire je mets la date, je mets un peu les sujets, si j'ai rencontré des personnes, je tague leur nom sur la photo, comme ça je peux les trouver facilement, mais sincèrement, sans plus, hein, sans plus, et je ne sais pas, c'est-à-dire aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire je ne vois vraiment presque aucun intérêt dans ces images. Il y a tellement d'images, il y a tellement de productions que ça gâche, je dirais, le fond de ces images. Voilà, merci. C'est déjà très intéressant, donc le trop-plein d'image vis-à-vis de... Ouais, si je peux ajouter quelque chose. Alors, pendant au début déjà du Hirak, il y avait énormément et de photographes et de vidéastes, etc., mais aussi énormément de graphismes dans les pancartes, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, mes amis me disaient si ça... Est-ce que tu veux faire quelque chose? Un poster ou un visuel ou une œuvre ou... Et à ce moment-là, franchement, je refusais de le faire. Je pensais d'abord parce qu'on était dépassé par toute cette création non professionnelle, amateur, libre, spontanée, etc. Et je ne voyais pas en tant que professionnel... dire je suis plus c'est-à-dire je vais vous montrer comment il faut faire. Donc je me disais on se met je crois qu'on en a parlé à Matt, ouais. On s'est mis vraiment en arrière et laisser les gens s'exprimer. On voulait pas récupérer, on va dire c'est le mot, récupérer visuellement tout ce qui se faisait autour de nous.
L'autre raison pour laquelle je refusais de le faire, enfin, je me refusais de le faire, c'était dans ces moments-là, on aurait été dans la célébration. Et je ne pense pas que c'est très intéressant artistiquement d'être dans la célébration pure. Un travail de... Ouais, c'est-à-dire qu'on manquait de recul, des réflexions pour pouvoir aborder ces sujets. Et c'est après, 2 ans après, personnellement, j'ai pu commencer à faire un travail à partir du matériau que j'avais collecté. Voilà. Merci. Salma, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour terminer. Très rapidement, vraiment très bien, vous dire que je trouve que c'est assez courageux quand même de la part de Mourad et de Hamad d'être aussi franc et de dire, parce que de parler d'un désarroi qu'il n'est pas facile forcément d'expliciter. Je me souviens avoir croisé Hamad aux manifestations et je me souviens de sa... Il était un peu démuni et ça m'a rappelé ce moment où on est dans le désert, dans le Sahara, où on est totalement décontenancé parce qu'on ne sait pas en fait comment prendre en photo des dunes. On a l'impression que c'est toujours la même chose. Et je me souviens que moi-même, après la griserie de ces prises de vue tous azimuts comme ça, où il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à capter. Cela dit, je pense que toutes les photos qui ont été prises font et feront sens. Et même si on n'est pas du tout dans les contextes semblables, ça me fait penser à Mourad, quand tu dis célébration, je pense quand même, alors voilà, photographie de couverture de Malika Rahel 1962, on est là dans une photo. Elle a travaillé sur le matériau des célébrations dionysiaques, littéralement, qui ont eu lieu le 5 juillet 62, où tout semblait sans dessus dessous, où les femmes ont pu danser avec les hommes, où des femmes ne sont pas rentrées chez elles ce soir-là, où il y a eu vraiment quelque chose de dionysiaque, et où il y a quand même quelque chose de l'ordre de la... Je pense qu'on était tous stupéfaits, tous déroutés, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de la joie et de la célébration, de quelque chose qui peut être encore difficile à capter et à comprendre, qui plus dans quelques temps peut-être pourra être analysé. Je sais en tout cas que je me souviens d'un photographe qui avait tenté dans la précipitation, il a été trop vite lui, de faire un livre en numérique avec ses photos et avec un certain mauvais goût me semble-t-il de mettre tout en noir et blanc et uniquement le drapeau d'Algérie en couleur. Je pense que c'était pas bon, mais il a tenté. Donc, je pense que vous allez tous commencer à tenter, vous allez tâtonner, vous allez arriver à vous approprier ça et à proposer. C'est ça le récit national, il se construit et vous allez tâtonner et trouver. Chacun va trouver. Je sais qu'il y a une aussi jeune femme, Khadija Makarmal, qui a eu l'idée de prendre dans cette espèce de masse indifférenciée qu'il était impossible de. Elle a décidé de prendre un angle d'attaque qui était de suivre des jeunes gens, des supporters de foot, du début jusqu'à la fin, le vendredi. Voilà, donc il y a quand même eu des pistes, des intuitions justes, et je pense que vous trouverez aussi, rétrospectivement, plus tard. Merci. Je pense que là, on a vraiment trouvé... on est arrivé à une idée très importante pour la conversation en entier, c'est-à-dire la question de perspective et de temporalité qui a été centrale à tout ce qui a été dit. Et malheureusement, notre temps a été beaucoup trop court. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Et je regrette qu'on a vu les vidéos de Amar sans le son. On va essayer désolé, de trouver un moyen. Désolé, vraiment désolé. Non, c'est pas évident. Mais on va peut-être trouver un moyen de les montrer ou mettre un lien sur le site web de la Maison française pour que les gens puissent les voir. Et donc, je dois remercier Amar, Mourad et Salma d'avoir été là pour cette conversation passionnante. Je voudrais évidemment encourager ceux et celles qui sont là avec nous de revenir, de reconnecter à 14h
pour une autre conversation en anglais sur la question de la politique populaire. Mais merci vraiment à tout le monde et en particulier à nos intervenants. Voilà. Et un merci à Clara qui a officié en souterrainement et a synchronisé le tout. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.